Coupe du Monde 2022, Vejdrehem dévoile un extrait du qu'il avait prévu en cas de victoire des Bleus. C'est une musique devenue classique depuis 4 ans, et qui a continué de résonner au cours de la Coupe du Monde 2022. En 2018, Vejdrehem sortait le titre « Ramener la Coupe à la maison », qui a accompagné les Bleus jusqu'à leur retour en France après leur victoire au Mondial. Une chanson qui a marqué les Français puisqu'elle a rapidement été classée numéro 1 des ventes. Cette année, nombreux sont les internautes à avoir réclamé une nouvelle chanson à Vejdrehem dans l'espoir que l'équipe de France remporte la compétition. Ce qui a été chose faite pour l'artiste, puisqu'il a dévoilé, sur Snapchat, un extrait du fameux titre prévu. Malheureusement, Satchela Ivrardjedj, de son vrai nom, a fait face à une terrible désillusion après la défaite des joueurs de Deschamps face à ceux de l'Albislest. J'ai le cœur brisé, c'est par ces mots de Vejdrehem a exprimé son ressenti après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2022. Il faut dire que la star avait misé tous ses espoirs sur les Bleus puisqu'il avait prévu de sortir un nouveau titre où il comptait rendre hommage à chaque joueur. Le fruit de son travail a d'ailleurs été diffusé sur les réseaux sociaux. Dans un extrait diffusé sur Instagram, le chanteur rend hommage à Deyo Upamecano, l'une des nouvelles pépites de l'équipe de France. Un morceau qui semble déjà réjouir la plupart de ses abonnés. Merci, enfin une bonne nouvelle, j'espère qu'il va le sortir quand même. Qu'il sorte ce son et vite, très vite même, peut-on lire parmi les nombreuses réactions. Reste à savoir désormais si Vejdrehem compte le sortir, ou non.